Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres. Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces du mal, je deviens Miraculous Lady Mag. Miraculous, pour ton bonheur, Lady Magique, il est des chances. Miraculous, Lady du cœur, être héroïque en cas de chance. Miraculous. Monsieur Stone souhaite que son petit déjeuner lui soit servi sur le dos d'un ours. Pourriez-vous vous en charger? Je vais voir ce que je peux faire, Mademoiselle Penny. Ce sera tout? Oui. Non, un vol de nuit serait préférable. Fang, le crocodile de Jagged, ne supporte pas l'avion. Hé, j'ai trouvé le coup marketing parfait pour son nouvel album. Il va participer à une émission de télé-réalité. Je ne suis pas sûre que Jagged sera d'accord pour... Non, ce n'est pas à vous que je parle. Confirmez ce vol, merci beaucoup. Je vous rappelle. Bob, attends un peu. Hey Penny, t'as bien demandé le macaron pour Fang? Bien sûr, c'est tout en haut de ma liste, Jagged. Ton album va décoller, j'ai trouvé un truc en or. Désolé, Mademoiselle Penny, mais vous ne pouvez pas laisser ce crocodile sans surveillance dans les couloirs du palace. Je suis désolée, Monsieur Bourgeois. Oui? Quoi? Pas sérieux. Merci pour tout. Tu voudrais que je participe à le rock et dans le pré? Mais c'est tout sauf rock'n'roll son émission. Mes fans ne regarderont jamais ça. Bien sûr que si, Jack. C'est ça qui fait vendre aujourd'hui. Jamais. Je suis un vrai artiste. Écoute-moi, Jack. Je suis navré, Mademoiselle Penny, mais nous n'avons pas d'ours disponible. Est-ce qu'un poney conviendrait? Écoute, Bob, je veux bien participer à une émission, mais seulement si le concept me plaît. D'accord pour le poney. Et ajoutez un assortiment de macarons, s'il vous plaît. Merci. Mais non, pas vous, enfin, non, on ne voyage pas avec un poney, juste avec un crocodile. Je te préviens, Jacket, tu participeras à cette émission, que ça te plaise ou non. Ah oui? Et comment je vous rappelle, me forcer? On va en rester là, Bob. Qu'est-ce que tu dirais? Ah, d'accord. C'est une idée vraiment rock'n'roll. Bien joué, t'es le meilleur, Penny. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Nous sommes en direct pour ce nouvel épisode avec aujourd'hui le seul, l'unique Jagged Stone. Ouais, rock and roll, yeah. Dans la peau d'un boulanger. Yo les rockers. Un grand merci à Tom Dupin qui nous reçoit dans sa boulangerie, l'une des meilleures de Paris. Bonjour. Vous voulez un croissant? Ils sortent du four. Je ne sais pas si c'était une bonne idée d'accepter un tournage ici, ma chérie. Mais si, maman. Jagged a spécialement demandé à venir ici. Tu te rends compte de la pub que ça va nous faire? Papa va devenir une star en 2 secondes. Pour l'instant, notre star préférée a l'air un peu tendue. Non, non. Vous débordez d'énergie, Jagged. Mais il faut être plus doux. Comme ça, regardez. Gentil, Fang. Tout va bien, Mademoiselle Penny? Oui, oui, mais l'émission a été mon idée. Et Jagged me fait confiance, alors j'espère que tout va bien se passer. Alors, Jagged, comment se sent-on dans la peau d'un boulanger? C'est génial! J'ai déjà fabriqué une guitare croustillante. C'est trop rock'n'roll! Farine, or et beurre! Alors, Mademoiselle Penny, c'est comment de travailler pour une star comme Jagged Stone? Il a l'air gentil. Oh oui, il est merveilleux. Enfin, oui, c'est un grand artiste. Ouais, rock and roll. Farino ever. Oh, ce suspense va me tuer. Avec tout ce pain, qu'est-ce qu'ils attendent pour sentir le fromage? Et depuis quand tu regardes cette émission, toi? Cet épisode est tourné chez Marinette. C'est le rock du boulanger. Yo, Marinette, ma collégienne préférée, monte sur scène avec nous. C'est trop cool de passer la journée ensemble. Marinette est très douée, tu sais. Elle a créé la pochette de mon dernier album, alors qu'elle n'est qu'au collège. Waouh, impressionnant. Une vraie famille d'artistes, une créatrice de talent et un pâtissier de génie. À ce propos, qu'est-ce que vous nous préparez, Tom? Pourquoi pas des pains au chocolat? Tu peux attraper un sac de farine, ma chérie? Oui, papa. Wow. Hey, regardez, j'ai l'air d'un fantôme. Rock'n'boo. Comme vous le voyez, la pâtisserie, c'est pas de la tarte. Restez avec nous, on se retrouve juste après la pub. Boom. Et coupez. Salut, Bob. Alec, j'ai l'impression que tout ça s'annonce très bien. Désolé, Jagged. T'inquiète, Marinette. Tu peux me dire où est la salle de bain? À l'étage. Merci.
Bien, en attendant, on a du ménage à faire. T'es sûr que c'est là? Je l'ai dit à l'étage. Attends, c'est pas la salle de bain? Ça doit être la chambre de Marinette, cool! Hey, il y a un lavabo. Regarde, on bat des records d'audience. Retour à l'antenne dans 30 secondes. Où est Jagged? Dans la salle de bain à l'étage. Merci, suivez-moi, on va improviser. Hey, regarde! Oh, Marinette est vraiment super douée! Hey! Oh. Hey, mais je connais lui! Rock and roll, Jagged! Il faut qu'on se dépêche un peu, Jagged! Ouais, ouais, détends-toi, Penny. Il est là! Allez, on tourne dans 3, 2, 1! Retour au direct avec Jagged Stone dans la vie d'un boulanger. Voyons si notre rockstar s'est débarrassé de sa farine. Hey, il y a plus de photos de ce garçon que de moi. La fille du boulanger serait-elle amoureuse? Eh bien, voyez-vous ça, encore une de tes admiratrices secrètes. Un amour de jeunesse, c'est tellement mignon. Ça me donne envie d'écrire une chanson. Non, 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 non. Marinette? Non, 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 non. Tu t'aimes, Marinette? Ce n'est pas si grave que ça. Surtout si, c'est même une catastrophe intersidérale. J'ai dit à tout le collège de regarder l'émission. Y compris Adrien, il va voir les photos et comprendre que je suis amoureuse. Ce n'est pas ce que tu veux? Non, pas comme ça. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Désolée, je n'ai pas trouvé la salle de bain. Hey Marinette, tu veux que je te dédicace mon poster? Non, je veux juste que tout le monde sorte. Et vous, arrêtez de tout filmer. Penny, faites quelque chose. Vous avez entendu? Non. Sécurité. Confort. Penny, vous avez coupé la retransmission. Désolée. Non, Penny, je veux qu'il sorte d'abord de ma chambre, s'il vous plaît. Donnez-moi ce câble, Penny. On est en direct. Achou! T'es sûr qu'elle est bio, cette farine? Je suis allergique à la farine non bio. Penny, le câble. Penny, t'es au courant qu'on n'a plus d'image? Penny, t'as un mouchoir? Achou! Penny, s'il vous plaît, faites l'heure de sortir. Penny, c'est quoi ce bazar? Penny, tu m'avais dit que ce serait facile, cette émission. Hop! Ça suffit comme ça. Tout le monde redescend. Allez, hop, tout de suite. Allez, hop, 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 hop. On fait quoi maintenant? Je vous rejoins dans 5 minutes. Mais Penny! Dans 5 minutes! Une assistante dévouée qui perd son sang-froid. Voilà une merveilleuse opportunité. Envole-toi, mon petit Akuma, et noircis son cœur. Insaisissable, je suis le papillon. Depuis toujours, tu es l'esprit bienveillant qui veille sur les autres et règle tous leurs problèmes à leur place. Aujourd'hui, je te libère de ton lourd fardeau. Désormais, tu seras l'esprit malveillant qui créera leurs problèmes au lieu de les résoudre. Comptez sur moi, papillon. Alors, prochaine tâche sur ma liste? Oh oui, bien sûr, m'occuper personnellement de Jagged. Moquer de moi au collège sur internet dans tout Paris. Et le pire dans tout ça, c'est qu'Adrien ne voudra plus jamais me parler. C'est la cata, la cata, la cata, la cata. Respire, Marinette, tout va bien se passer. Tu crois? Oui, de toute façon, c'est trop tard, l'émission est en direct. Non, c'est la cata, la cata, la cata, la cata, la cata, la cata, la cata. Allez, on se remet au travail. Hop, 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 hop. Ok, tout le monde. Jagged, Monsieur Dupin, reprenez vos places. Direct dans 5, 4, 3... Attendez une seconde, nous préférons arrêter là. Quoi? Vous avez perdu la tête? Nous ne voulons pas que vos caméras filment partout chez nous, au détriment de notre vie privée. Notre fille est dans tous ses états à cause de votre émission. Nous ne le tolérons pas. Mais les scores d'audience explosent. C'est impossible d'arrêter maintenant. Pas vrai, Jagged? Il est d'accord. Oh, je ne vous permets pas. J'exige que vous me fassiez des excuses. Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Oh, tu me cherches le boulanger?
je ne suis pas du genre bagarreur, mais vous allez trop loin, monsieur Bob.